Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live, le dernier numéro pour cette année 2021. En tout cas, merci pour ceux qui ont été avec nous au courant de toute cette année 2021. Nous vous remercions, nous disons en tout cas merci beaucoup pour votre soutien. Ceux qui se sont abonnés sur cette chaîne m'ont soutenu. Beaucoup de gens m'ont appelé pour m'encourager et nous sommes toujours en train de continuer à travailler, à donner de notre mieux pour la reconstruction de notre pays parce que notre pays est détruit. Beaucoup de gens m'ont posé la question, pourquoi tu continues à faire ça? Pourquoi est-ce que tu continues à t'époumoner pour un pays qui... Si nous, on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Et ce sont nos enfants qui nous condamnera à ce que nous n'avons rien fait. Bandeko, ezali kambute ke apoche nangai ou bien quoi que ce soit, ou bien ndengenini. Ce n'est pas pour moi, c'est pour ce que nous chantons tous les jours dans notre hymne national. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Et là, on a légué na bana na biso. Nous sommes ici, nous émettons à partir de Johannesburg. Nous avons une famille, nous avons des enfants ici. Ça fait plus de 20 ans que nous sommes ici. Mais motolu ya na biso kundama et pas na biso kuna na Congo na Kiondo. Moi je suis né à Goma, donc je suis un Congolais et j'appartiens à la tribu de Nande. Je suis Munande et Kianda na ngai ezali na Isale. Isale, c'est dans le Congo, c'est donc que je suis un fils. Mais qu'est-ce que nous allons léguer? Si chaque citoyen pouvait se poser cette question, et là, ce n'est pas les millions que nous allons laisser. Et ça, les millions, le plus suprême, c'est notre pays. C'est pour cela que je me donne. Je me dis, je n'ai rien à donner à mon pays, mais il faut que j'éveille la conscience de ce pays, des enfants de ce pays, pour que nous puissions nous dire finalement que Totika Kinini, ce ne sont pas les maisons, les véhicules ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien. Ce qui bisotoza awanamboka oyo, c'est parce qu'il y a eu des gens qui se sont sacrifiés et qui ont dit que reconstruisons ce pays. Moi, je suis arrivé dans ce pays il y a à peu près une affaire de 20 ans, là où j'habite aujourd'hui. Il y a 20 ans, je ne pouvais pas arriver ici. Et Zala Kikaka place à Bamindele. Mais le Sud-Africain s'est se bâti. Babunditi, Tokomi Koko Maboué. En tout cas, il y a une certaine évolution en Afrique du Sud. Alors, pour notre pays, une année encore voici qui vient de s'écouler. Espoir ni n'yangotozo tika na mboka na biso. Qu'est-ce que nous léguons à notre pays? Qu'est-ce que nous avons fait cette année en 2021? Bandeko, dans cette émission qui ne sera pas peut-être un condensé de l'année 2021, mais nous allons parler de la sécurité. Nous allons parler encore une fois de plus de cet état de siège. État de siège, sécurité zandengenin. L'année 2021 a été caractérisée par un échec qui a babilo kognon surtout. Vous êtes sans le savoir, vous n'êtes pas sans le savoir que dans cette émission, nous ne parlons pas de faits. Nous parlons de la réalisation, des réalisations qui vont dans le sens de la reconstruction. Nous parlons de la reconstruction de notre pays. Bandeko, nous attardons pas aux informations. Nous voyons ce qui est le fondamental à Mboka na biso. Fondamental à Mboka na biso, c'est Zawapi. Est-ce que na 2021, tu bouges qui baligne? Pour qu'on bouge, pour qu'on asseoir fondamental, ou qu'on pèse espoir dans le cannabis. Nous allons parler de cet état de siège. Nous allons parler de l'ennemi. L'ennemi, c'est quoi? C'est qui est? Qui est le réel ennemi? Enfin, Tokosil Soukisa, la solution, ou Tozo Banzaki, non, na 2022, ce qui te bandit que tu as solution, et qu'on pousse un bon cannabis, na liboso, na développement, na boyokani. Voilà ce que nous allons parler. Alors, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après.
Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC, ce tableau sombre dressé par Martin Fayulu. Le discours de fin de l'année. Et puis Lubumbashi, la population prépare les fêtes. La peur au ventre suite à l'insécurité. On va sur actualité.cd. RDC Benu, deux civils soupçonnés d'être voleurs, lynchés et brûlés vifs à Bachou. Délice Sanga, des millions de Congolais pris en étau par la misère et les atrocités de la guerre de l'Est passeront une fin d'année difficile suite aux promesses non tenues. On va sur Congo profond, Kasaï central, Fachi visite une province en détresse. Et puis Congo central, l'Assemblée provinciale a clôturé sa session ordinaire de septembre. On va sur 7 sur 7. 7 sur 7 ici, nous avons la relance de l'AMIBA, le premier vice-président du Sénat s'implique. Et puis Béni, source populaire de justice populaire, deux jeunes périssent à Bachou. Et puis toujours à Béni, 4 otages des ADF retrouvés morts à Mazumbu. On termine par Radio Okapi, barrage de Katende en route, Kalamba Mbujimayi, deux priorités à soumettre à Félix Tshisekedi attendu ce vendredi à Kananga. Et encore Kasaï Oriental, Félix Tshisekedi visite le projet agricole de Nkwandi qui vise à produire et fournir la farine de maïs. Merci, on se revoit l'année prochaine dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, donc actualité a prédominé kaka na côté à Kinshasa kuna bozako mbozako yo kabat bazamba nungu nungu ebele ba crier et tout ça c'est kin et ça représente pratiquement la République démocratique du Congo. Ba makelelo ebele tozoyo kaka na ba réseaux sociaux c'est toujours à Kinshasa. C'est comme si le pays est resté ezala kaka Kinshasa kaka. Et on fait tout pour que Bakinoa balo ba mingite. Parce que si tu contrôles Kinshasa, tu contrôles tout le pays. Et c'est là le problème que nous sommes en train de nous dire. Bama Kamounio Sokoyo Kakaka, le gouvernement est en train de se battre pour que ba alliévé, ba ça la moi, situation zala bien à Kinshasa. Mais on ne parle pas de Kalemi, on ne parle pas d'Ouvira, on ne parle pas de Bukavu. Ceux qui tozolobela est tozolobela kama kambwa guerre. On ne parle pas du bien-être des Kivusiens, des Bukaviens. Il y a Bagoma Tracien, tozolobela ngote. Ça ne regarde pas le gouvernement. Na mbanda ka batu bazako vivre ndenge nini. Na mobayi mbongo batu bazoko vivre ndenge na gemena. Batu bazoko vivre ndenge nini. Na bandundu. Tout ça, on n'en parle pas. Mais le fait de fin de l'année, on doit soulager tout simplement les Kinois parce que Kinois kakande mtwa lobaka. C'est comme si Congo et soukaka na ngoka na Kinshasa. On va dépenser 6 millions de dollars pour okende kosomba ba soki ba mbisi pour na koya ko soulager kaka nani aba Kinois. Ce n'est pas Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Kinshasa n'est qu'une seule ville, mais tu y a Bagata. Les gens de Mbandaka 2, ils ont vivre Ndengenini. Est-ce que le gouvernement en parle? Est-ce qu'on ne peut pas en parler? Bandeko, c'est pour cela que ça moi passe. Donc, actualité, ils ont dominé Kaka, Nabato, Bakino, Bazako, Lobaila, Loba, Mingi, Mingi, oh non, Bissot, on fait Ndengenini. C'est comme si le Congo s'est limité Kaka, na capitale, ou na Kinshasa. Alors, ça, ce n'est pas notre problème. Problème, Nabiso Ezali, guerre, ou Ezako Souka, l'insécurité, ou Ezako Souka, Ndengenini. Bandeko, la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, ça n'a pas commencé avec Tshisekedi. Ça, nous le savons. Mais le problème, c'est que Tshisekedi, en venant au pouvoir, il a promis des choses. Problème à makasi awa na babiloko nyonso toki kolobela ezali ko gouverner. On parle de quelqu'un qui vient gérer un pays, c'est prévoir. Oye na ba solution nini. Et c'est là où est le grand problème, Bandeko. Réfléchissons dans le sens à koloba. Tozo kende wapi, quel est le problème que notre pays fait face? Et quels sont les solutions
quelle est la politique que moi je vais amener pour que Eko Misabiso na ba solution. Na guerre oye à l'Est d'abord, on se pose la question, est-ce que c'est une guerre tribale? Est-ce que Zali ba rébellion? Est-ce que Zali, comme vous avez lu dans le titre, est-ce que ce sont les rébellions ou bien Zakara ba insécurité? Sachez une chose, bande konangai, la guerre de l'Est, c'est une esa expression ya batu oto soki tokyo benga ngwe sécurité ou bien guerre esa expression ya population esa li situation oyo tokoka ko koma nango après l'unitarisme, après le système qui nous a dirigé pendant 50 ans, le système qui nous a que nous avions otoza nango oyo et comme ici biso na situation oyo, cette situation là a perduré pendant depuis que Mobutu Aouta qui donc Azalazwa qui pouvoir. Mobutu est venu avec le système unitarisme. Or, avant 1965, il y avait ce multipartisme là. Je ne pense pas que nous pourrons déjà dans la situation à Boué. C'est parce que on a pensé que mettre tous ensemble dans un même sac. Et puis, on a négligé le pouvoir ancestral, on a négligé le pouvoir territorial. Ensemble. C'est ça la conséquence que nous vivons aujourd'hui. Et les politiciens d'aujourd'hui ne veulent pas comprendre ça. Bandeko, nous autres, nous avons eu la chance, il y a comme un territoire, place où Belge, Atikaka, administrateur de territoire, nous avions vu. Comment est-ce que le pouvoir territorial était Ezalaki Kosalema? Nous avions eu quand même la chance, mais c'était pratiquement Nasuka. Lorsque nous avions peut-être 20 ans, 22 ans, nous sommes arrivés, Tokomi naba territoire à Lubero, Kuna naba administrateur à territoire, un de mes cousins était là. Tomonaka Tozoaka. Mais quand vous regardez les photos, quand on vous raconte l'histoire, les administrateurs des territoires, bangone mutubazala kaba konzi. Alors, Moussoukoussoukou en 1965, lorsque on se battait pour le pouvoir, Mobutu a jugé bon de mettre tout le monde dans un même sac. Conséquence, nango yango tozo vivre les lots. D'autre part, il y a eu Zaki na banani nango ba côté positif nango na ba côté négatif nango. Ba côté positif nango euta ki wapi Zaki parce que Congolais nyoso akoma ki nous reconnaissons tous des Congolais. Mais eloko négatif na katu eloko na zali ndenge nini? On n'a pas pu gérer cette continuité à co-gérer, ya coupé sa responsabilité na batu na base. On a pensé que non, le chef pouvait tout faire. C'est ça le grand problème, ba chef bazaki. Et c'est là où découlent même les histoires. Et on a zolo banobi guerre à l'élo na est, il y a République démocratique du Congo. L'ennemi est connu, l'ennemi c'est le Congolais. C'est la mégestion, l'abandon total de l'État. Les Congolais se sentent abandonnés. Les Congolais ne se sentent pas impliqués dans la gestion du pays. Moutounyo so Congolais yebikaka keno bako sale la ye. C'est ça la conséquence de cette guerre. Ne les cherchons pas ailleurs. Et ça va minerer na bisote. Tout ça, ce sont les conséquences de cette mégestion du pays par nous-mêmes les Congolais. Nous n'avons pas pu gérer le pays pendant ces 25 ans, pendant ces 50 ans. Et l'okwana, il fallait l'accompagner, na co-responsabiliser batou. Il fallait que les Congolais puissent être capable de se dire que non, le territoire, comment est-ce que l'administration, nous allons le faire, le continuer, comment? Bilo kwa nanyo so toko tindi kakayango ndenye nini? C'est là où le problème est à la guerre oyo. Guerre oyo kosi la kanamandu ki te bandeko. L'Est, aujourd'hui, nous sommes en train de voir une certaine continuité. Tozo kende kaka. Moi, je ne suis pas ici pour vous dire qu'on a... Oh, comme ça. Non, je vous parle d'une certaine... philosophie, donc, tout réfléchir, non. Parce qu'en réfléchissant, si nous percevons, c'est pour cela que nous avons amené bino kaka koloba. Vita, haiko le onjo li anjaka. Na hii vita, haitaisha na bunduki, haitaisha na kinguvu.
Vous avez vu l'exemple des Américains en Afghanistan. Après 20 ans, bazongi bakei na bango. Balobite, toko kutika la koto libelate. La MONUSCO qui est chez nous, Bandeko, est-ce que nous sommes conscients que la MONUSCO est là? Ce n'est pas pour nous. Et ça faute na biso kaka. C'est nous les Congolais. Nous les Congolais qui avions invité la MONUSCO. MONUSCO est à qui en mon côté. Ils en profitent de nos faiblesses. C'est ça parce que bato oyo, baza ba yuma, bato baza koye ba eloko bazo salate. Alors allons-y. Allons les aider. Et par là, vous comprenez que non. Babiloko ba minere, bimi, babiloko nyo, surtout, les gens vont perdurer cette situation parce qu'ils n'ont pas la solution. La solution se trouve entre les mains du Congolais. Congolais de Mtoazana solution à Kosili sa Makamboa Est. Alors, nos dirigeants qui sont là aujourd'hui, c'est pour cela Batumsu Bazo et Benangaba Lobi ou non, Naza conseiller à Félix. Nous n'avons que Félix Tshisekedi parce que nous sommes dans un système où il n'y a que nous qui lui avons donné le pouvoir. Mutuo ya kozala na pouvoir de Mutuakoki ko bongisa mboka na biso bandeko. Les rébellions qui vont venir, ceux qui sont dans ma cambo à rébellion, il y a un cycle infernal. Le cycle est infernal. Ceux qui rébellion, ils sont dans l'actualité, dans la physique, ceux qui sont dans Rwanda, ceux qui sont armés, ils sont bandits, rébellion, ils sont bandits. C'est un cycle infernal parce que nous n'arrivons pas à comprendre où nous sommes. Et ceux qui sont là aujourd'hui n'ont pas élucidé la solution. Bazo et ba solution T. Solution est anine alors quand pour que Batuna réponde finalement à ma question et à Batuebele au Baza Kotunangai. Balobi Germain, tu as parlé des projets de 145 territoires. Bien sûr, est-ce que Yangone Mutokosiri sa vie, on est à côté à guerre, on est à côté à Est. Je vous dis, mes chers amis, et l'eau, dans moins d'une semaine. Les gens qui sont avertis, les gens qui sont avec nous et qui sont sur terrain savent comment est-ce qu'une armée au ESA national ESA peut faire face à Bato Bazana Mindou quitté. Est-ce que l'armée congolaise aujourd'hui peut nous dire qui est l'ennemi? Les autres ont invité à Ougandé, ESA va errer autour de ça à la caca. Les Rwandais se sont invités, les Burundais vont s'inviter dans la partie. Bon, il y a un Makambu, les Tanzaniens vont s'inviter. Ba Tanzanie ba lobi bo na par la bouche de leur président Bandeko alobi na zo interprétant on a lingala alobi Bandeko Congo za marché boko ya munene mutu nyoso azo sala makasi po akende ko a envahir akende na Congo. Mais le Congolais ne sait pas ça. Le président ne prend pas cette ampleur. Toko bénéficia kana ba paya nini. Qu'est-ce que nous allons bénéficier si nous-mêmes nous ne sommes pas organisés? Batu o baza kozwa ba corruption na ba marché ba ba paya. Ezako kota na ba poche na bango, ça n'aide pas le pays. Ezako aide pays na bisoté. Donc tout le monde sait que surtout côté à Est que n'entendez pas des ordres en Congo kuna, c'est le moment d'aller investir au Congo, c'est le moment d'aller profiter de Congo, parce que les Congolais s'ils se réorganisent, toko za la kalsu na opportunité wanate, bango bazako gagner plus de 100%, c'est pour cela l'Ouganda a préféré abanda la construction ya balabala wana. Pourquoi est-ce qu'il peut construire na kati ya zone oyo eza na kati ya ba rébellion où il y a des massacres tous les jours? Comment est-ce qu'ils vont faire pour que place wana bazako banzela na bazako tonga? C'est le même nzela où on batumba ka ba véhicule basala ka ba banani ba embuscade, c'est le même chemin, c'est le même route. Mais l'Ouganda a ndimi que non à Tonga. C'est-à-dire qu'ils savent quelque chose. Ils peuvent maîtriser ces histoires-là. Bandeko, l'ennemi du Congo, bao bazako ça la vite, les Congolais ne les connaissent pas. Eza vite, eza guerre te ya kolobate ke noto yebi monguna za na colline tel monguna za eza lo kuta, tout ce qu'ils font là c'est de la blague.
Voilà. Ngai kom nazalaka musika te nazalaka mingi te disons nazalaka na tan nga limité. Je veux encore condenser les solutions que nous devons. La guerre de l'Est trouvera la solution dans une solution globale de la République démocratique du Congo. Et sa solution moko globale, cette solution-là ne sera pas tout simplement de béni ou quoi que ce soit. Non. Il faudrait que celui qui est au pouvoir puisse prendre ses responsabilités en disant que non. Bandeko, ba responsabilité na ngai ya ndenge boloba ki ngai naza mokonzi. Mais ngai na kosala la bino eloko moko te na kopesa mutu batu na batu ba kosala ba biloko na bango epa na bango. C'est ainsi que nous est née l'idée ya ba état de lié à 145 territoires. Si chaque territoire, ba politicien ba territoire wana ba zonga ba vanda, to réécrire constitution na biso, to si to moni ba mabe nyoso ya système unitaire o to zanango. Allons-y dans la décentralisation ou fédéralisme, où le pouvoir sera donné à la base. Wana nde zaka ka solution. Bandeko, nous ne pêcherons jamais, même ceux qui attendent na niveau international ba tozo balobi que non. Ba compagnie o eza ko sala eza somba ki ba mabele tout ça ba mine tout ça ba sala ki banani que les responsabilités eza la ka déjà na ba côté ba territoire kuna ba territoire ba ye ba ko contrôler bango ba ye ba ko ye ba que ne awa eza ya nani qu'est-ce qu'ils font ba tout nini qui est dans ce territoire donc ba état de lié ba territoire musala na ngoy ko zala nini musala na ngoy ko zala ya ko identifier d'abord ba congolais. L'identification des Congolais doit se faire avec le fils de ce territoire Batouana Bazalakakuna. C'est pour cela que nous disons il faut remettre le pouvoir à la base. Pouvoir est à la Kinshasa te. Pouvoir est à la Kinshasa et sous te que non. Kinshasa n'est pas tokotinda Batouana Bazala contrôle ou Bakendosa l'identification te. Prenons les gens. Tant que tu as dit que tu as dit que tu moi j'ai dit ceci par exemple. J'ai dit projet à 145 territoires par exemple, Tolobi, chaque territoire va payer 10 millions. 10 millions na to kosala na ngo nini batu ona kati ya territoire ba koyeba ba lobby toza na problème awa nini toza par exemple na bâtiment administratif te administration du territoire eza na bâtiment te et ko kiko générer ba misala ba ko kiko tonga ba ndaku ba ko tonga ba balabala ba ko kiko sala avec l'argent division ya mbongo auto ko investir kuna que ce soit les mêmes personnes là batu baza côté kuna ils peuvent s'organiser. Bokomona ke mbongo wana ekogenere ba misala batu bako sala misala o esengele salema na territoire na bango. Ils peuvent s'organiser tout autour ya nani ya mbongo wana koloba ke no 10 millions o ba pesi na territoire na biso. To se contrôler ango quels sont les projets le plus o biso to wiku ko sala nango awa. Le gouvernement central aura tout simplement maintenant tâche ya koya koloba ke bosala ki nini na mbongo wana. On peut vous contrôler maintenant. Qu'est-ce que vous aviez fait? Quels sont les projets que vous aviez entrepris et qui a soulevé et matissé niveau de vie à territoire Nabino? Parce que je suis sûr, avec un 10 millions investi dans un territoire comme territoire à Batalinga ou bien à Fizi, nous pouvons générer à peu près une affaire à 1500 travail, 1500 batubo, bakoza, bakokende na musala. Ce qui te connaît si bien, bon, on est qui génère et qui peut émulsion, moussoussou. Batu bako zonga na misala, banda kwe ko tongama, tout ça, ça peut gêner. C'est pour cela que nous disons, mais bon, on est qui ko pesa makaka boete bolobir sous présidence, nem to abanda, ko tinda batu oba kende na projet ko sala. Té, il faut que ça soit les gens de ce coin-là. C'est pour cela, moi, j'ai dit ceci. Ba makambo ba parti politique o ya ko kene na ba élection ezo ko retarder développement à Congo. La solution c'est de d'abord travailler avec les directeurs généraux o ya ba département et puis ko sala ko benga ba état généraux wana chaque territoire ba réfléchir sur une nouvelle constitution. Et dès que Basilici Ango, Kaneva, on a ce qui est pesami, tu vas réfléchir. S'il y a 500 personnes dans chaque territoire, on va au Vanda, ba poni, ba lobi te. Misala na biso awe ko sale makaboué, ko sale makaboué, ko sale makaboué.
qui sera notre dirigeant to sengi batuba kena assemblée batwana toponi bango batwana bakesiko na côté à région région et kei to tindi batuti na na gouvernement central. C'est comme ça que nous pouvons réécrire notre histoire. Oyo batunyo surtout bazaba responsable na kati ya ba état de lieu wana batwana bako discuter bako sala rétrospective ya ba richesse na bango na kati ya ba territoire, que tout le monde puisse être maintenant et nani conscient que non na territoire na biso tozala kana or mutu tango ko bisa or na biso sans que territoire na biso eyeba. Ça va de notre nouvelle génération, ça va de l'intérêt de tout le monde, ce n'est pas l'intérêt de quelqu'un quoi que ce soit. Ba tuo ba vanda na Kinshasa ba vanda côté le guide ba makambu biloko na fosila. C'est là où nous disons que ce qui to comme une sika wana te et là, comment on va faire ça, les bandeko? Rien ne se fera. Donc, il faut absolument rétrocéder le pouvoir au territoire, naba territoire, on a si quoi, n'est-ce pas, ko sala, bako tia, bako koma, il faut que les Congolais puissent se prendre en charge. C'est ça qui était l'idée, même, il y a politicien, il y a Félix Tshisekedi en disant, non, il y a Étienne Tshisekedi en disant que non, le peuple doit se prendre en charge. Bah, il faut bailler, bah nini, ango bah compagnon et ko sala nini. Tokolo na nini, awa na bilanga na biso. Qu'est-ce que nous avons besoin? Besoin na biso, awa na territoire, awa za nini. Qu'est-ce que nous avons? Et tout ça, ce qui te batwaza conscient, on peut s'organiser. Toko créer administration malamu tokoye ba déjà tout ça combien ba tout combien ba zana territoire na biso et comment nous pouvons faire les élections, comment nous pouvons nous organiser et comment nous pouvons commencer à obtenir des consensus na ba makambu. Quel est l'intérêt à tout le monde? Ba tout nini ba zana intérêt na bango awa, ba tout ba zana intérêt na bango awa, ba tout ni, quel est l'intérêt de tout le monde? Mécanisme à contrôle ni qui contient na kati ya territoire pour que ba miyibi ba zalate. Et c'est cet mécanisme là que nous pouvons maintenant transposer na ba région na ba région hein, et puis na ba région kuna na ba na région de siko ekei na kati ya gouvernement central na pays mobimba ba tunyoso siko ba consensus wana nyoso. Donc lorsque nous allons réfléchir au niveau des territoires, nous allons aller au niveau des provinces ou bien des régions, et puis dans la province, tout ce qu'on a au niveau national. Et c'est là où nous allons combiner pour avoir une constitution remettant le pouvoir pratiquement au peuple à la base. Angouma et Rokendaka, Kinshasa et Sila, cessons de déifier les hommes. Mettons le pays donc, ezala pays, ezala penza. Et ça, na co-diriger biso. Mais construisons ce système-là en fait que Moutou Aleka, mais payer tika là-bas, institution forte. Les institutions fortes ne seront pas par la bouche en proclamant, non, ce sont ces discours-là. Ba discours est comme il belé et l'eau comme on peut le mater. La seule façon de faire les choses, c'est de remettre le pouvoir au peuple au niveau de la base. Le peuple s'organisera. Maintenant, toi, le président de la République, avec le peu d'argent que tu peux avoir dans la caisse, c'est de là que tu diras que non, Bandeko, ce qui boyokani kuna, dès que boyokani, je vais vous donner l'argent. Bon, on a si qu'on débocoye, bako géré. On a la tête que moutoumoka ou taka Kinshasa, akendekota la. Non! Le peuple congolais doit apprendre à se mettre d'accord et à travailler ensemble pour le bien du pays. Voilà bandeko oyo nazalaki nango pona ko sisukisa ané oyo. Les gens qui me suivent très tôt le matin, donc du 1er janvier 2022, je vous souhaite une bonne année. Bato balanda kingai en direct sur Instagram, donc ils sont en train de me suivre pour l'instant. Je dis merci beaucoup en tout cas pour tous ceux qui se sont encore abonnés. Batou ba sabona ki batou ba yaki na chaîne nangai, batou ba komela kingai. Vraiment, et j'ai une pensée aussi pieuse avec les gens qui nous ont quittés. Il y a beaucoup de gens que nous avons perdus dans l'année 2021. Oyo. Nzambe azala na nanima qui repose en paix, vraiment nous disons des condoléances aux familles qu'ils ont laissées, bato batika kibiso biso tozo ko bakaka César za na ngolu na biso teza
nzambe kaka mutu apesi biso na niyo makasi et puis santé que tokoti na 2021 oyo yango tozwa ko remercier nzambe. Nous disons merci à notre Seigneur qui nous a gardé vraiment, et merci à vous autres qui nous ont vraiment encouragé pour plutôt kende oh non Germain allez-y nazo kanisa na ba mama na ngai ebele msu baza na Norvège, msu baza na Uganda, ya ba de mama qui me suivent à Uganda, ya de mama de Beni aussi, ba mama wana chaque jour baza a bazalaka, ils sont encore là connectés. Excusez-moi de vous de ne pas citer leur nom parce que eux-mêmes ne veulent pas, c'est que nous ici disons ici nous ne citons pas les noms des gens. Biso awa tozakaka na Congo na biso. Merci en tout cas, nous sommes là. Et tous ceux qui sont à Kinshasa, qui me posent la question sur la gestion de 745 territoires de Yabanani Oyo, à projet Oyo, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Et ce n'est pas moi, nous sommes un groupe de gens qui réfléchissent dans ce sens-là. Mais j'ai été quand même le premier à mettre ça sur les réseaux en disant que notre salut, ça sera dans les 145 territoires où le Congolais doit réécrire une nouvelle constitution afin que nous puissions passer dans la 4e République. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, mes meilleurs vœux encore une fois de plus, que cette année nouvelle 2022 puisse vous apporter prospérité et paix et surtout santé. Merci, on se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.